J'ai le plaisir aujourd'hui, au nom de la Corporation de l'aéroport de Thetford, de présenter officiellement la compagnie d'aviation qui sera chargée de la gestion de l'aéroport pour les 5 prochaines années. Cette entente permettra d'améliorer la notoriété de l'aéroport et la qualité de service. L'entente vise également à mettre en place, à court et à moyen terme, un plan de modernisation des infrastructures et de l'équipement auquel pourra se greffer possiblement une offre d'activité récréotouristique connexe. De grandes entreprises locales bien implantées sur le marché international accueillent couramment clients, partenaires et visiteurs des quatre coins du globe. Et c'est pour cette raison que nous nous devons de mieux répondre à leurs besoins en leur offrant des services sécuritaires et de haute qualité. Maintenant, le temps est venu de dévoiler l'équipe chargée de la gestion de l'aéroport de Thetford pour les 5 prochaines années. Vous vous en doutez? Oui, bien sûr, c'est Grondaire Aviation, division de Grondaire Transport de Saint-Frédéric. Félicitations à toute l'équipe. On est ici aujourd'hui donc avec une bonne partie de notre équipe de gestion. Je vous présente mon associé, le président de la compagnie, M. Enrico Lessard. Bonjour. Ainsi que plusieurs membres là, de l'équipe de direction, donc Jocelyn Dulac, qui est le chef instructeur, directeur de l'école de pilotage, Mme Marie-Claude Tanguay, qui est la directrice des opérations, et M. Danny Laflamme, qui est le chef pilote de la compagnie. Ces personnes-là assurent avec moi l'encadrement de toutes les opérations de l'entreprise. Et à Thetford, dans la région ici des Appalaches, l'aviation, c'est quelque chose qui est limité à l'aviation de loisirs, récréative, quelques petits avions de propriétaires privés, mais l'aviation commerciale est peu connue. Les services de l'aviation commerciale sont peu connus et c'est justement ce qu'on veut pouvoir apporter. Il y a ici des opportunités formidables. Grondaire Aviation, c'est une compagnie intégrée en opération depuis 1978, basée sur notre aéroport privé de Saint-Frédéric, que les gens connaissent en passant rapidement, mais peu de gens savent qu'on opère 41 appareils en opération commerciale. Selon nos inspecteurs à Transport Canada, on est donc une des plus importantes compagnies de transport aérien de l'Est du Canada. Il y aurait une entreprise en Alberta comparable à nous autres. Du reste, c'est assez impressionnant, 41 appareils sur 7 types d'avions différents. Notre entreprise détient les certificats d'exploitation de maintenance d'aéronefs, de travail aérien, de transport aérien commercial et d'école de pilotage. Donc les 4 certificats intégrés, ce qui est aussi extrêmement rare dans le milieu de l'aviation d'affaires. Pour trouver quelque chose de comparable, vous devez aller pas mal loin en dehors de la région de Chaudière-Appalaches, je vous dirais. Ce n'est pas par fausse prétention, là, mais c'est juste pour vous donner un peu une idée du niveau de ce qu'on travaille. On est aujourd'hui avec 2 exemples de nos appareils. Donc un petit avion Cessna 172 de l'école de pilotage, mais surtout un Beechcraft King Air A100 de transport aérien, jusqu'à 7 passagers, selon nos certificats. Et c'est avec ce type d'aviation qu'on veut développer les services à Thetford. Notre entreprise est réputée depuis près de 40 ans, notamment pour son école de pilotage, mais surtout parce que l'école permet de créer des opportunités d'emploi, d'un premier emploi à nos étudiants, par nos contrats de travail aérien. Le travail aérien, c'est les différentes missions qu'on peut faire. Notamment, on opère plus d'une vingtaine d'appareils sur une dizaine de bases dans le Grand Nord pour les besoins de la SOPFEU, c'est-à-dire la protection des forêts. Autrement dit, c'est notre mission d'éviter que le Québec devienne un Fort McMurray. Si vous voulez avoir une petite idée, là, ça c'est notre mandat. Alors, nos appareils détectent les feux de forêt, rapportent à la base de la SOPFEU et assurent la gestion des opérations de bombardement avec les CL-415 de la SOPFEU. C'est nous autres qui assurent les patrouilles et l'encadrement de tout ça. On sort de tour de contrôle de volante, si vous voulez. On a 8 appareils, 9 appareils pour la SOPFIM, la protection des tordeuses d'épinettes, des choses comme ça. Et bien entendu, les 5 Beech King Air, qui assure du transport aérien. Donc, Grondaire Aviation détient les certificats et les audits de qualité pour transporter autant les techniciens d'Hydro-Québec, le premier ministre du Québec, les employés fédéraux, les policiers, gendarmerie royale, tout ce que vous pouvez imaginer, et bien entendu, plusieurs transports d'affaires privés. À Thetford, les citoyens, les entreprises, les visiteurs doivent savoir qu'ils peuvent, à partir de maintenant, profiter des services d'aviation pour relier Thetford avec le reste du monde. Et c'est pas peu dire, c'est vraiment le cas. Il y a ici tout ce qu'il faut. On a donc fait une proposition de service à la Corporation d'aéroports de Thetford et je tiens à remercier très sincèrement la Corporation
et tous les décideurs de la région qui nous ont fait confiance pour assumer ce mandat-là, qui ne sera pas facile. Nos ambitions sont grandes et on a l'intention de déployer tous les moyens qu'il faut à la hauteur de nos ambitions. Et c'est exactement sur cet axe-là qu'on va le gérer, qu'on va l'apporter. Et pour réaliser ça, une des clés importantes du succès, c'est qu'on va pouvoir compter sur les services de quelqu'un qui est ici. Alors, ça me fait plaisir de vous annoncer que d'emblée, il y a déjà la création d'un emploi à temps plein à Thetford pour la gestion des activités de l'aéroport de Thetford, à savoir M. Daniel Côté, qui demeure à Coleraine, tout près d'ici, et qui est de la région, qui est un passionné d'aviation. Ceux qui vous invitent à aller voir sa page sur Facebook, à l'inviter comme ami, vous n'avez jamais vu ça, autant de photos de la région ici que de sa part. Passionné aussi d'aviation récréative en ultra-léger, ainsi de suite. Il y a déjà des perspectives très, très, très intéressantes qui s'en viennent, je peux vous dire ça. Donc, Daniel va être le point de contact, daniel.cote@commercialgrondeur.com. C'est déjà votre point de contact pour tous les services d'aviation commerciale dans la région, autant pour la ville de Thetford et sans surtout pas oublier toutes les municipalités des environs des Appalaches qui risquent d'être épatées par ce qu'on peut leur offrir comme fenêtre d'opportunité. Présentement, il se passe quelque chose dans notre région, on le sent. Là, M. Lessard en a parlé, c'est peut-être pas juste la ville, on le sait. Hein, la Société de développement économique travaille fort, nos intervenants économiques, tous les gens de la région travaillent fort, nos entreprises sont présentes, il y a des investisseurs qui ont décidé de s'en venir chez nous. Puis tout ça mis ensemble fait en sorte d'attirer l'attention. On le voit de plus en plus, on est présent beaucoup dans les médias nationaux aussi avec les bonnes nouvelles économiques qui se passent chez nous. Donc on en est bien fiers. Est-ce que c'est relié aussi à ça que lors du dernier appel d'offres de la corporation, il y a eu des gestionnaires chevronnés en aviation qui ont décidé de se pointer chez nous? Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est content de ce qui se passe. Notre ville, notre région se développe. Vous savez qu'on a procédé à une planification stratégique il n'y a pas si longtemps où est-ce qu'on voulait que notre ville soit une ville branchée, une ville efficiente, une ville mondiale, une ville accessible, une ville attrayante. Mais je pense que de développer de façon plus importante nos services aéroportuaires, ça s'inscrit en droite ligne avec ça. On le voit aussi avec tout ce qui se passe d'un point de vue économique, d'un point de vue touristique. Donc, tout est en droite ligne là-dessus. Nos industries sont présentes sur les marchés d'exportation. Notre industrie touristique se développe aussi avec des produits de qualité. Donc, c'est sûr que c'est important d'avoir toutes sortes de facilités qui vont pouvoir les aider à se développer. On est dans une ère de communication où est-ce que nos relations d'affaires ne sont plus avec nos voisins immédiats. Nos relations d'affaires sont avec le monde. Donc, il faut s'assurer que les facilités de transport deviennent de plus en plus importantes et facilitantes pour notre monde. La corporation avait la volonté de pousser encore plus loin la capacité et le potentiel de notre aéroport. Donc, c'est toute la région, ainsi que nos entreprises, autant industrielles que touristiques, qui vont profiter. Alors, on en est bien contents, puis bienvenue à Grondeur chez nous. La MRC, c'est les 19 municipalités, avec notre ville-centre à l'intérieur, qui est notre poumon économique, en quelque sorte. Et la MRC appuie de différentes façons les entreprises régionales par ce qu'on appelle les enlieux de taxes, c'est-à-dire qu'elle soutient de façon indirecte les organisations en remettant aux villes qui ont du support local une participation financière qu'on estime importante. Même si on le fait depuis plusieurs années, je pense qu'il est important, de temps en temps, de voir si l'investissement qu'on y met est à la hauteur des attentes qu'on a. Et je vous avoue qu'on s'est posé beaucoup de questions. Et la ville s'en est posée. Et chapeau à la ville d'être capable de dire maintenant, on va faire un virage important pour notre développement. Tout à l'heure, M. Nadeau parlait qu'il y avait un potentiel de développement ici intéressant, mais je pense que les attentes sont aussi importantes et à la hauteur du potentiel. Récemment, j'étais en Europe et j'ai vu sur un tableau de bord dans un aéroport international qu'il y avait des départs de Leeds. Je me suis calmé là, quand j'ai vu que j'étais... Mais je me suis dit, on est à la bonne place. On est à la bonne place. Notre ville-centre, la ville de Thetford, est dans le peloton de tête toujours pour l'entrepreneuriat. Et pourtant, on n'a pas d'autoroute, nous autres. Notre ville-centre est dans le peloton de tête pour le leadership et on n'a pas de train, nous autres. Mais on a un aéroport, ou en tout cas, on va en avoir un. On va avoir quelque chose de différent, de nouveau. Et c'est ça du développement. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir des projets. J'avais vu sur une affiche en Europe que c'était écrit « Il n'y a pas de territoire sans avenir, il y a des territoires sans projet. » Et c'est vrai.
Ce que M. Nadeau nous propose, c'est un commencement. Qu'est-ce que ça va devenir? Déjà, c'est plus que ce qu'il va avoir. Alors, c'est ça, des opportunités. Alors, je remercie la Ville pour son leadership dans ce projet-là. Et je pense qu'on est tous à la même place. Notre aéroport, il faut qu'il devienne un aéroport du 21e siècle, pas un aéroport de la Seconde Guerre mondiale. On est à la place pour faire du développement. On veut développer notre région, puis on va le faire. Et ça va avoir des retombées sur l'ensemble de la région. Qu'on soit à Disraeli ou qu'on soit à East Wharton, il y a des gens d'affaires partout dans notre région qui vont contribuer puis qui vont en avoir des retombées. Au niveau des installations, des équipements de la piste elle-même, est-ce qu'il y a des améliorations à apporter? Est-ce que ça convient présentement? Monsieur Vachon a une perception extrêmement juste, extrêmement éclairée, une lecture très rigoureuse de la situation. Effectivement, l'aéroport de Thetford est, je vais essayer de peser les mots avec les plus grandes délicatesses possibles, mais excessivement désuet. Autant dans ce qui paraît que dans ce qui ne paraît pas. Pour vous donner un exemple, il n'y a pas ici d'approche aux instruments GPS. Je parle de ça pour en être tannant, parce que c'est une fixation. Je veux dire, si je vous disais que les aéroports du Grand Nord, là, genre Coudjouarapic, puis Kaljersuk, puis des noms imprononçables, ont tout ça, c'est pas normal qu'il n'y ait pas ça ici. Ici, il y a une approche NDB qui date précisément d'une technologie de la Deuxième Guerre mondiale, qui à l'époque là, était révolutionnaire. Ça fait 70 ans. Là, ça fait qu'il faut dangereusement passer à autre chose. Il n'y a pas d'océan à Thetford, donc il n'y aura pas de transatlantique. Les trains, c'est devenu un peu difficile, tout ça. Il y a un aéroport et c'est ça qui peut donner une fenêtre d'opportunité assez fantastique. Et là-dessus, on peut vous donner un paquet d'exemples. Là. Mais donc, notre expertise va permettre d'alimenter la corporation d'aéroport et la région avec qu'est-ce qui seraient les bonnes avenues. Qu'est-ce qu'on peut prioriser? Évidemment, en respectant des cadres budgétaires raisonnables, bien entendu. Le but, là, c'est pas de faire un gouffre financier avec ça. Il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement. Il faut que ça donne quelque chose, que ça soit fiable. Donc, il existe des choses aujourd'hui qui sont fiables, qui sont opérationnelles, pour permettre justement à des avions comme ça de pouvoir desservir la région. Parce qu'aujourd'hui, le plus gros stress, c'est de savoir est-ce qu'il va faire assez beau pour pouvoir entrer en mode visuel? Est-ce que c'est pas sûr qu'on puisse entrer en mode aux instruments? Si le plafond était plus bas, ce qui est le cas 80% du temps dans notre région, vous savez. Là. Donc, pour répondre essentiellement à votre question, oui, actuellement, c'est très désuet. Écoutez, là, on n'a pas besoin... Là, je vous ai parlé de ce qui paraît pas, mais dans ce qui paraît, je débarque ici avec des gens d'affaires qui viennent visiter la région, qui veulent venir investir, ainsi de suite. Il faut pas qu'il y ait de pelouse dans les craques de l'asphalte. Il faut pas qu'il manque de peinture sur la galerie. Il faut que ça soit parfait. L'aviation, c'est un domaine dans lequel on peut pas se permettre d'être moyen. Les attentes sont très élevées. Il faut avoir une image de très haute qualité, de très haute classe. Il faut avoir de se donner les moyens de livrer une expérience de première classe à notre clientèle. Il faut se donner un budget raisonnable selon les moyens. Puis ça, c'est à discuter avec les gens qui sont à chaque côté de moi, là, bien entendu. Moi, je vais essayer de leur ramener des priorités. Avec 1 000 $, on en fait pour 1 000 $. Avec 100 000, on en fait pour 100 000. Avec 1 million, on en fait pour 1 million. Tu sais, il faut respecter les capacités de ce qu'il y en a. Il faut surtout voir l'utilité, la durabilité, la fiabilité de ce qu'on veut faire. Là. Donc, il y a des choses qui ne sont pas si effrayantes que ça. Voyez-vous, entretenir une approche GPS aux instruments, ça coûte 1 500 $ par année. C'est ridicule. On n'en parle même pas. C'est exactement ça qu'on a chez nous à Saint-Frédéric. Aéroport d'un village de 1 000 personnes. Hein? Ça fait que la ville de Thetford a presque 30 000 de population, avec toute la région ici autour, qui est encore plus large, mérite franchement d'avoir mieux que ça. Là. Voilà. Les investissements doivent se faire par qui? Est-ce que c'est Grondaire qui va en faire ou la ville? Nous autres, on apporte toute notre expertise, notre flotte, nos opérations, tout ce qu'on est capable de faire, dans une perspective de développement de marché, bien entendu. Donc, nous, on s'occupe... tout le staff, tout l'encadrement, tout ce qui est lié à la gestion des opérations aériennes, à toutes les exigences d'Audi, de Transport Canada, ainsi de suite. Nous autres, on s'occupe de ce qui est notre domaine d'affaires. Ce qui relève de localement, ben c'est ce qui appartient aux gens d'ici. C'est-à-dire, les bâtisses ne m'appartiennent pas, là, tu sais, le terrain ne m'appartient pas. Donc, ce qui appartient à Thetford relève de Thetford. Puis ce qui appartient à Grondaire relève de Grondaire, tout simplement. Là.
On a des clients dans d'autres régions, pour ne pas dire à Saint-Georges, des choses comme ça, et on n'a pas beaucoup de clients dans la région, puis on ne trouve pas ça normal. Il y a des superbes entreprises ici. Il y a une expertise, il y a un savoir-faire qui est délirant. La plupart des gens, puis probablement vous aussi, la plupart des gens qui sont ici, ne savent pas qu'on peut avoir un avion à notre disposition pour les besoins qu'on a à faire. Généralement, quand on veut partir en avion, ne serait-ce que pour un petit vol de 2 heures, généralement, on sait qu'on scrappe la journée. Hein? Vous partez d'ici, vous rendez à l'aéroport à Québec, prendre Air Canada, vous t'arrives 3 heures d'avance, ça te coûte 100$ pour stationner l'auto, c'est compliqué, c'est lourd, vous enlèvez ta ceinture, tes chaussures, ça finit plus l'affaire, OK? Puis là, t'es limité dans le bagage, ainsi de suite. Si vous saviez qu'à Thetford, vous pouvez stationner votre auto ici, vous avez un rendez-vous, pour prendre l'exemple que j'ai au départ de Saint-Georges, on a un client à Saint-Georges qui avait besoin d'un contrat à Fredericton. Il avait besoin d'envoyer 4 techniciens pour faire la job en question, dans le domaine électronique spécialisé. Alors, ça leur prenait une journée, une minivan, les 4 techniciens, se rendre à Fredericton, par la route. C'est loin, longtemps, ça, en auto, là. Tu as le temps de voir passer le paysage, là. C'est beau, mais c'est loin, tu sais. C'est beau longtemps, finalement. Ça fait qu'ils perdent la journée, l'hôtel, les repas. Le lendemain, ils font le travail. L'hôtel, les repas pour revenir une autre journée. Ils ont perdu 2 jours pour un travail d'une journée. Pas fantastique. Quand ils ont essayé nos services, on leur a dit « C'est quoi votre objectif? » Ben, nous autres, il faut être à 8 heures rendus sur les lieux du mandat qu'on a à faire. Pas de problème. Je dis « Si on atterrit à 7h30, ça fait votre affaire? » Parfait. À 6h30, on était à Saint-Georges. Ils embarquent dans l'avion. À 7h30, ils atterrissent à Fredericton. C'est 55 minutes de vol avec un appareil comme ça. Ça change la vie. Et à 5h, ils finissent le travail. À 5h30, ils sont à l'aéroport. À 6h30, ils sont chez eux. Ils soupent chez eux. Le lendemain, ils sont au travail. Ça bouleverse l'efficacité d'une entreprise, ça permet de rapprocher les clients, ça permet à des entreprises de la région de soumissionner, d'aller chercher des mandats qu'ils pensent qu'ils ne peuvent même pas avoir. Parce qu'en plus, on peut configurer l'avion, comme l'avion présentement, tantôt si vous allez le visiter, il est configuré là, par exemple pour les missions d'Hydro-Québec. Donc il y a 5 sièges et beaucoup d'espace cargo pour de l'équipement, les coffres d'outils, du matériel, peu importe. Donc, il y a une souplesse totale. On peut mettre l'avion entièrement vide, c'est-à-dire tout du cargo. On peut mettre 9 sièges, on peut mettre 7 sièges en configuration plus luxueuse, on peut mettre 5 sièges et de l'espace cargo, donc une configuration combinée. Partir à l'heure que vous voulez pour aller vers où vous voulez. On peut partir de Thetford, atterrir à Drummondville, ramasser un associé en chemin, et atterrir à Toronto. Et pas obligé d'atterrir à Toronto Pearson, par exemple, puis se taper 2 heures de taxi pour entrer en ville. On peut atterrir à Toronto Island. Je ne sais pas si vous savez, mais immédiatement en avant de la tour du CN, là, il y a une île avec une piste où on peut atterrir facilement. Donc, c'est les possibilités de souplesse totale qu'on a. Et l'équipage attend sur place que les gens aient fini et les ramène à la fin de la journée ou le lendemain ou des choses comme ça. Donc, c'est une souplesse totale qui est offerte et qui est totalement pas connue, particulièrement dans la région ici. Il y a une proportion phénoménale d'entreprises qui ne savent même pas qu'ils peuvent penser à ça. Et comptez sur moi que c'est notre boulot de le faire connaître. Vous savez, notre région, puis je ne veux pas revenir là-dessus, on a l'air de se lamenter de temps en temps, là, mais c'est une réalité. Elle a été quand même durement éprouvée avec le retrait de notre principale activité, l'amiante. Mais je vous dirais que ça a été aussi en même temps un stimulé. On ne s'est pas laissé abattre, là. On s'est retroussé les manches, puis on a travaillé. Je vous dirais, le deuxième élément qui est important dans notre évolution économique, là, de notre territoire, c'est la réorganisation que l'État québécois a décidé d'entreprendre au niveau de plusieurs entreprises, plusieurs activités, je pense à la CRE notamment, puis à la réorganisation des CLD au Québec. Alors, plusieurs MRC ont pris des décisions différentes, mais nous, ce qui nous caractérisait, c'est qu'on avait un CLD, qu'on appelle ici la SDE, qui était très dynamique, puis qui a démontré dans le passé qu'elle pouvait exercer un leadership économique. Alors, pour nous autres, la MRC, c'était un plus, puis on a décidé qu'on gardait cette entreprise-là, qu'on lui donnait des moyens de fonctionner, puis qu'on la soutenait, et E2RT est le résultat de ça. Donc, pour nous autres, c'est un plus et c'est très bien. Et par la présentation que j'allais voir tout à l'heure, le bilan que le président va vous faire et les témoignages, j'allais voir qu'on est exactement à la bonne place. En fait, on a quelque chose d'innovant,
on a quelque chose de structurant qui permet le développement économique dans notre région. Puis je vous dirais que la présence du fédéral par DEC Canada emmène de la crédibilité, emmène avec nos autres partenaires, bien sûr, qui sont importants, mais on a là une organisation crédible, efficace, puis sur laquelle les gens peuvent avoir confiance. C'est peut-être l'élément le plus important que je voulais soulever. Alors, je vais vous souhaiter encore une fois la bienvenue, puis je vais céder la parole à mes collègues. Ça me fait très plaisir d'être ici. Ce matin, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Navdeep Bains, je vous transmets d'ailleurs ses salutations. Il aurait bien aimé être ici parmi vous, mais à défaut, c'est moi qui l'ai envoyé. Ça me fait très plaisir d'être dans votre magnifique région. J'y étais il n'y a pas si longtemps pour l'inauguration du Centre d'interprétation historique de la mine King. Et je peux vous dire que quand j'ai vu dans l'horaire que je parlais après M. Vachon, j'étais très intimidé parce que son discours m'avait marqué à ce moment-là. Mais là, il m'a dit qu'il allait s'imiter un mot de bienvenue. Je le remercie. Ça me fait moins mal paraître. J'aimerais tout d'abord remercier M. Mario Huard et toute l'équipe d'Espace entrepreneurial de la région de Thetford pour l'accueil chaleureux. Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans la création d'emplois pour faire croître l'économie et la prospérité des Canadiens. On est conscient que les collectivités doivent se diversifier de manière stratégique en misant sur l'innovation pour dégager des avantages compétitifs régionaux durables. En sens d'appui à la transition et à la diversification des collectivités est une priorité pour notre gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada donne un autre élan à la création d'emplois. Et la confiance que nous accordons à Capital Expansion Région Thetford, CERT, confirme ce que nous pensons depuis toujours. C'est les collectivités qui sont mieux placées pour trouver des solutions à leurs propres enjeux de développement économique local. Il suffit d'ailleurs de jeter un coup d'œil aux nombreuses initiatives de CERT au cours des 9 derniers mois pour s'en convaincre, pour se convaincre du rôle crucial que joue ce fonds de capital de risque pour assurer la prospérité et le dynamisme de votre région. Je suis donc très heureux de vous annoncer qu'une contribution non remboursable de plus de 5 millions de dollars a été consentie à Capital Expansion Région de Thetford. L'aide financière a été consentie sous forme de contribution non remboursable en vertu de l'Initiative canadienne de diversification économique des collectivités tributaires du CRISOTIL de Développement économique Canada. Plus précisément, les fonds alloués pour ce projet ont permis le démarrage d'un nouveau fonds de capital de risque à l'intention des entreprises, vous m'excuserez, situées sur le territoire de la MRC des Appalaches, et cette somme assurera en partie les frais de fonctionnement pour les 5 prochaines années. Cette entente fournit donc maintenant à l'organisation la souplesse et les moyens nécessaires pour poursuivre son mandat et répondre aux besoins spécifiques de la communauté de Thetford. Je m'en voudrais terminer sans souligner le travail accompli par tous ceux et par toutes celles qui contribuent à chaque jour au succès du CRT, les intervenants locaux et régionaux. Chaque jour, vous mettez votre savoir-faire en commun au profit de votre région. Et je peux vous dire en mon nom et au nom du gouvernement que je représente qu'on vous en est très reconnaissant. C'est avec enthousiasme que nous recevons cette annonce officielle de l'investissement du gouvernement du Canada dans notre fonds capital expansion région de Thetford. Sachez que cette implication de développement économique Canada est issue d'un processus de concertation des acteurs économiques de notre milieu. Nous sommes très heureux de la marque de confiance témoignée par DEC à notre égard. Le fonds CERT est une priorité majeure du milieu et il vient s'inscrire dans l'écosystème régional en matière de développement de l'entrepreneuriat. En investissant dans des entreprises en démarrage, en croissance, en transfert ou en relève, nous allons jouer notre rôle en complémentarité avec les institutions financières et servir de levier pour la réalisation de projets qui sont souvent sous-capitalisés. Voyons quelques données démontrant l'importance de ce fonds pour notre région. En effet, je suis fier d'annoncer qu'après 10 mois d'opération, c'est 12 projets qui ont été acceptés par notre comité d'investissement. Nous nous sommes impliqués financièrement à diverses étapes de développement des entreprises. Sur les 12 projets acceptés, 4 étaient en démarrage, 4 en expansion, 3 en développement de produits innovants et 1 en relève. Ces entreprises ont obtenu des investissements sous forme de prêts directs, de prêts participatifs, ou de débenture. Ces 12 projets représentent des autorisations de financement totalisant 2 382 000 $, soit plus de 47 % de notre fonds. Ils auront permis le maintien et la création de 170 emplois à terme et des investissements totalisant 15 269 000 $. Globalement, déjà, plus de 50 projets potentiels ont été identifiés.
Ces projets pourraient totaliser des demandes de financement de plus de 4 300 000 $ pour le CERT seulement et représenter des investissements globaux d'environ 21 millions de $. Donc, ça va très bien là, pour 10 mois seulement d'opération. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le montant initial dont le CER disposait? Combien il reste? Et qu'est-ce que ça donne avec le 5 millions qu'il y a? Au total, on avait 5 millions. On ne l'a pas tout encaissé. On fait des demandes quand on a nos besoins, mais on a 5 millions d'autorisés. Puis actuellement, on en a 2 382 000 de prêts qu'on a autorisés. Donc, c'est des demandes de financement qu'on a autorisées, le comité. Là. Donc, il en reste comme l'écart entre 5 millions et c'est comme 2 600 000. Mais on a une cinquantaine de projets. Ça inclut les 12 qui ont été acceptés. Donc, il reste encore 38 projets qui ont été identifiés puis qui sont sur la planche. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas si on va en avoir assez. On a déjà commencé à faire des démarches pour voir si on ne pourrait pas... faut semer si on veut récolter. On a commencé à lancer des perches pour voir si on ne pourrait pas avoir d'autres fonds qui vont nous permettre de continuer notre travail. Le 5 millions de ce matin s'ajoute au résiduel du premier 5 millions? Non, ça c'est le premier 5 millions. Ça. Okay. On parle du premier 5 millions. Ce qu'on fait dans le fond aujourd'hui, c'est qu'on vient officialiser l'obtention d'un 5 millions qui n'avait pas été encore officiel. Ça n'avait pas été encore annoncé officiellement. Il y a eu des élections, il y a eu des changements au gouvernement, donc les gens ont été très gentils dès qu'ils nous envoyaient les sous pour qu'on commence notre travail. Mais les annonces publiques n'avaient pas encore été faites. Donc, on annonce quelque chose qu'on a déjà encaissé en partie, mais pour lequel les gens n'étaient pas prêts à faire des annonces encore.